Bien le bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo concernant la franchise Batman versus Superman. Je vais aujourd'hui vous parler de la MMS 342, la Batman classique. Tout comme la première, c'est du hot toy, c'est du plastique. La review commence maintenant. Alors oui, comme d'habitude, je passe au packaging directement, rien de bien exceptionnel, hein, je vous ai expliqué, hein, toujours le fameux V là, avec le sigle, le personnage dedans, toujours pareil pour l'arrière avec les personnes qui ont travaillé sur la bête, et bien évidemment, comme pour le Superman, quand vous enlevez, quand vous ouvrez la boîte, vous vous retrouvez avec cet encart représentant le HS du personnage. Sinon, rien de nouveau sous le soleil, une boîte quand même assez classique comme fait Hot Toys. Je passe directement à la présentation. Alors oui, la présentation, donc cette fameuse petite pièce, donc le Batman classique, je parle Batman classique du film, avec un costume extrêmement épuré, tiré, mais bon, ils ont tout piqué dans ce fameux album-là, hein, dans ce film-là, vous savez, de l'album de Frank Miller, de The Dark Knight Returns, parce que tout ce qui est costume, en dehors du Superman, hein, au niveau de Batman, que ce soit pour le Batman armoré, vous savez, l'armure, et notamment ce costume-là, c'est 99,9% tiré de la BD. Ça, c'est le côté très positif du film, hein, le plus positif pour moi. Du coup, on a quand même des tenues extrêmement épurées, mais vraiment assez classiques, mais vraiment, vraiment plutôt bien faites. Alors, première chose, le HS, le demi-HS. Alors, je vais me rapprocher. Alors, on reconnaît aisément Ben Affleck. Alors quand je dis on reconnaît aisément Ben Affleck, un petit focus ça sera peut-être pas mal, on reconnaît quand même sa bouche, tout ça tout de suite. Bon, c'est vrai qu'il est 80, on va dire à 60% caché, donc voilà, mais on reconnaît quand même l'acteur de ce côté-là. Moi, pas de problème. Les oreilles courtes qui sont un petit peu souples, hein, ça c'est une bonne idée de la part de Hot Toys. La cape qui est collée au niveau de la cagoule aussi, très très bien faite. Vous voyez toutes ces petites stries là que vous allez avoir là, qui fait un peu de weathering, tout ça, un peu d'usure, ont été vraiment bien faites. Alors, vous ne le voyez pas là, mais en vérité, il y a un petit reflet bleuté sur cette pièce-là. Bon, je voulais le faire en plein jour, mais bon, là, il est 5h30 du matin, vous voyez, donc comme quoi je me lève tôt pour vous quand même, donc il fait encore nuit, bien évidemment. Mais enfin, bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un petit reflet bleu qui est très, très, très bien fait. Si vous soulevez la cape, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de fermeture éclair derrière qui représente aussi pas mal, je pense, le personnage. Alors, attention, ne vous amusez certainement pas à l'ouvrir, je crois que ce serait une mauvaise idée. Tout est bien représenté, le côté weathering au niveau de la ceinture. Vous voyez, non, au niveau du costume, c'est très bien fait. Si vous pouvez voir aussi au niveau des abdos, vous voyez que c'est renforcé par de la mousse. C'est bien fait. Alors évidemment, au toucher, ça se sent tout de suite, mais c'est pas gênant du tout. Bien au contraire, ça renforce un peu la potence du personnage, qui d'ailleurs... La potence du personnage, enfin vous savez, le corps en soi est quand même assez particulier quand on y regarde de plus près. Il y a quelques petites choses qui, moi, m'ont dérangé. Alors, vous voyez, là, vous voyez la cape. Alors, la cape, par contre, j'allais dire, c'est de la merde. C'est pas de la merde, mais enfin, disons que c'est pas... On n'a pas l'aspect, vous voyez, cuir assez lourd que l'on a dans le film. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très, très, très fin. Bon, c'est pas honnêtement... Moi, vous voyez, j'ai opté pour une pose classique. C'est probablement comme ça que je vais le laisser tout le temps. Donc, voilà, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai qu'au toucher, c'est pas agréable. Voilà, ça aurait été quelque chose d'un petit peu plus épais, ça aurait été mieux. Il y a pas mal de petites personnes. Tant que j'y pense, je le dis, je vais me rapprocher encore une fois, et je vais peut-être même arrêter carrément. Alors attendez, je vais mettre une petite allure là, et je vais peut-être arrêter tout pour vous montrer. Pas mal de personnes, j'ai vu sur des vidéos, qui avaient des petits soucis, vous voyez, comme là, moi, par exemple, où effectivement le bas de la cagoule touche le sigle. Alors, là, c'est parce que j'ai manipulé la pièce pour la représenter, tout ça. Mais en vérité, il y a un moyen très simple, c'est de jouer un peu sur la combinaison, vous baissez, vous voyez, un petit peu le truc, et puis vous relevez un peu la tête. Alors voilà, vous voyez, moi, c'est à quelques millimètres près, vous voyez. Mais bon, c'est faisable, quoi. C'est pas, parce qu'il y en a qui ont été quasiment catastrophés. Ils ont commencé à retirer la tête, à refaire tout un tas de trucs, tout ça. Je dis, non, mais attends, il faut pas exagérer non plus. Et puis même quand c'est caché, ça va, c'est pas non plus mauvais. Mais enfin, c'est vrai que le sigle, ça aussi, le sigle a été tiré
de la fameuse BD hein, qui est sortie en animé, je le répète, hein, The Dark Knight Returns. Prenez-le si vous l'avez jamais vu, je le répète. Prenez cet animé-là qui est pas pour les mômes, j'insiste bien, mais qui est quand même très 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 bon. Et donc pour en venir oui à cette suite-là, donc effectivement, je vous dis, le sigle a été piqué là-bas et quelquefois donc il est caché par par la cagoule, mais c'est pas dramatique. Franchement, c'est pas quelque chose de dramatique. Il y a des choses qui sont plus casse-pieds sur cette pièce-là, et notamment donc j'en reviens sur la fameuse potence, donc le fameux corps en soi. Moi, j'ai trouvé pour la mienne la pièce deux choses. D'abord, la pièce assez grippée, mais bon, ça c'est un peu normal, hein, toutes les hauteuils sont un peu grippées, ça on le sait, mais quand même, on peut pas lui faire faire tout ce qu'on veut. D'abord, il y a deux choses. La première, c'est que c'est pas toujours esthétique. Vous voyez, dès qu'on commence à plier les bras, je vous le montre là, vous voyez, ça commence à plisser. C'est pas super esthétique, d'autant plus que à la longue, ça risque de rester, de vous voyez, c'est pas un costume à mémoire de forme. Donc je pense que c'est pas choquant à vrai dire. Moi honnêtement, ça fait partie des choses qui ne me choquent pas parce que c'est censé représenter un vrai costume et vous auriez un vrai costume, ça ferait ça. Donc honnêtement, ça ne m'embête pas plus que ça. Mais enfin, à la manipulation, ça peut endommager quelques petites parties, tout ça. Après, au niveau de la corpulence, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il y a pas mieux d'ailleurs, beaucoup mieux que les photos que Hot Toys avait mises, ce qui est extrêmement rare. En général, les photos que Hot Toys place sont top. Et puis quand vous avez la pièce, il y a quelques petits défauts. Au niveau de la corpulence, tout ça, j'ai trouvé mieux. Je sais bien qu'il y en avait pas mal qui l'avaient traité de Fat Man, parce que c'est vrai que Ben Affleck a une quand même musculature, parce que mine de rien, il est quand même assez planté, le garçon. Donc il a refait pas mal de sport pour le film. Mais bon, le garçon, il a plus 20 ans, il a plus 30 ans, je crois qu'il a une cinquantaine d'années maintenant, en tout cas, il n'en est pas loin. Et effectivement, bon, bah. Il a une corpulence qui fait qu'il est un peu mastoc, quoi. Mais enfin, bon, franchement, ça choque pas. Et la pièce telle qu'elle est là, vendue quand on l'a dans la main, est mieux que ce que l'on voit sur les photos. Voilà. Il y a la seule petite chose qui me pose problème, en dehors des articulations pour la manipulation, c'est au niveau des jambes. Alors, je vais vous montrer. Alors, bon, mon ami travaille dans le médical, hein. Moi, j'ai été pompier de Paris, donc je peux me targuer de connaître un minimum le corps humain, tout ça. J'ai trouvé quand même. Je sais pas, une petite à cet endroit-là, autant sur le Superman c'est bien fait, là ça, je sais pas, je trouve que moi ça m'a un peu choqué esthétiquement parlant d'avoir cette partie, ce muscle-là un peu protubérant. Ça gâche pas la pièce, mais enfin vous voyez, c'est quand même, je sais pas si vous voyez bien, hein, mais je vais me reculer quand même. Vous voyez cette partie-là. Bon bah je trouve un petit peu exagéré quoi, je sais pas, ça m'a un petit peu choqué. C'est qu'esthétique hein, et puis c'est personnel, il y en a peut-être qui seront pas choqués de ça, mais enfin bon je sais pas, je l'ai trouvé quand même un peu bizarre cette petite partie-là. D'ailleurs au départ on avait l'impression que, moi j'avais l'impression que la jambe était mal tournée, non non elle est comme ça, voilà. Donc ça c'est la première petite chose qui pourrait me gêner sur cette pièce-là, mais enfin c'est vraiment pour être pointilleux, hein, voilà. La deuxième chose qui me pose problème, c'est et ça vous le verrez tout à l'heure, je vais vous présenter les accessoires pour changer certaines pièces au niveau, vous voyez, de la bouche et au niveau des yeux. Alors là, par contre, c'est un vrai bordel. Je vous conseille fortement, mes amis, c'est un conseil, hein. Moi, vous savez que je vais y toucher le minimum, donc là, ça me va très bien. Mais ceux qui veulent y toucher, je vous conseille de faire très très attention parce qu'il faut enlever toute la cagoule, enlever les pièces, tout ça et moi, je le répète, ces pièces-là, moins vous y touchez, mieux c'est. Je vais faire une petite édition là rapide pour vous montrer quand même de quoi je parle avec les accessoires. Alors voilà, donc première chose, vous avez un grand plateau avec tout un tas de paires de mains là pour tenir, bien évidemment, les petits accessoires. Vous avez les shurikens, vous avez l'espèce de seau là de Batman. Vous allez avoir pas mal de petits grappins, le bas de grappin. Vous allez avoir cette espèce de gros flingue, mais là aussi, je vais y revenir. Enfin, tout un tas de petites choses que vous pouvez placer dans les mains. Et puis, vous allez avoir, bien évidemment, les fameuses bouches que vous pouvez changer et les yeux. Et alors là, j'en reviens tout de suite à la pièce, donc je me remets là-dessus. Alors j'ai un petit peu mieux éclairé la pièce là, donc ne soyez pas éblouis quand même. Là, c'est là que ça commence à poser quelques petits soucis. Pour enlever, voyez, pour changer les yeux, tout ça, faut enlever toute la partie là. Et franchement, moi, je ne saurais vous conseiller de bien choisir ce que vous voulez faire dès le départ pour ne pas avoir à y revenir. Parce que encore une fois, vous allez manipuler la pièce. On n'est pas dans un cas où la pièce ne peut pas être abîmée. Il suffit que vous la manipuliez un petit peu fortement, suivant les gens, ou même qu'elle ait une petite faiblesse quelque part, vous allez l'abîmer, c'est sûr, c'est certain. Donc, choisissez bien ce que vous voulez faire dès le départ. C'est un conseil, hein, je le conseille tout le temps. Certains vont dire, hey, Laurent, tu te répètes, mais je le redis, je vous conseille de ne pas trop triturer cette pièce-là au niveau de la tête, parce que ça risque de péter au niveau du cou. C'est franchement pas pratique, encore une fois. Donc, c'est dommage parce que
Il y avait des moyens. Mais si vous voulez, je pense que ce qui pose là, encore une fois, c'est un peu comme le syndrome d'Iron Man sur les films. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans les films, c'est très beau, mais effectivement, quand on doit le faire en réel, bah, on se rend compte qu'on a quelques petits emmerdements au niveau des articulations. Ça tape un endroit, ça choque. Enfin, bon, bref, voilà, ça pose des soucis. Bah, c'est un peu pareil. Là, ils sont tellement très, très près de la pièce à la réalisation qu'effectivement, bah, on se retrouve devant des petits problèmes comme ça. Alors, je vous le répète, ça fait partie des premières petites choses qui, moi, m'ont posé un problème. M'ont posé un problème, pas plus que ça, puisque je ne l'ai pas fait, mais j'avais pas l'intention de le faire. Mais quand même, je préviens. La deuxième chose aussi, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, les articulations étaient un petit peu grippées, tout ça, mais ça, c'est un peu normal. Mais malgré tout, on ne peut pas tout faire avec ces articulations-là, en tout cas pour la mienne. Et je pense que c'est pareil pour d'autres, puisque d'autres ont essayé. Vous voyez, par exemple, le fameux gros flingue, là, ce fameux gros flingue que je vous remonte, si j'arrive à vous le montrer, là, sans que ça flash trop. Vous voyez, ce flingue-là, par exemple. Alors, évidemment, vous pouvez le placer dans une main. Vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez le placer dans une main, là. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'essaie de le faire prendre vraiment en joue, vous voyez, quand il... Eh ben là, c'est quasi infaisable, hein. C'est pas possible. L'articulation va pas assez loin. Même les pecs sont limités au niveau de l'articulation. Alors quand ils sont limités comme d'habitude, hein, c'est les mêmes. Mais je veux dire, du coup, voyez la potence qu'ils ont fait. On a quelques petits soucis, un peu comme si vous vous souvenez le fameux Captain America Winter Soldier que j'avais cité il y a 2 ans maintenant, je crois, qui, si vous voulez, le costume était très bien fait, mais il est tellement collé au personnage que, bah, évidemment, on est limité dans les mouvements. Bah, là, c'est un peu pareil. Alors, bon, évidemment, tout ce qui est grappin, shuriken, tout ça, vous pouvez le placer dans les mains, il n'y a pas de souci. Les flingues, même le gros, comment dire, le fusil, il n'y a pas de souci. Vous pouvez effectivement le mettre dans la main, là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème non plus. Mais le mettre dans les deux mains, c'est vraiment en joue, vous n'y arriverez, je pense, probablement pas. Ça, c'est quasi certain. Voilà. Donc, bon, je préviens, hein. Sinon, en dehors de ça, une autre petite chose aussi, le fameux socle. Alors là, vous voyez, là, c'est parfait. La pose, elle est très bien. Là, vous voyez, je vais m'arrêter là tout de suite. Vous voyez, regardez. Pour pouvoir mettre ce socle, c'est ce que j'avais dit sur le Superman. Là, on a devant un petit souci que l'on n'a pas avec le Superman. Vous voyez, pour mettre le socle, là, je suis obligé. Obligé, je vais vous l'enlever d'ailleurs, vous allez voir, hein, de lui donner, vous voyez, une position comme ça. Alors non, c'est complètement, c'est vraiment pas du tout esthétique, bien évidemment, vous en doutez bien. Mais enfin, c'est caché par le socle. Mais c'est ce que je vous disais pour la dernière fois, vous voyez, je vais me rapprocher encore une fois, là. C'est que vous vous retrouvez à avoir ce fameux creux-là et rien n'a été prévu pour ça. Alors bien sûr, vous avez la tige à l'arrière et puis vous avez un petit truc que j'ai pas mis là pour reposer le personnage, hein, à cet endroit-là. Bon, moi, je l'ai pas mis, mais vous pouvez le placer. Mais enfin, quand même, c'est du coup, vous voyez, le socle, c'est quand même con parce que, hey, sérieux, c'est sympa ces petits socles-là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais sur le Superman, s'il avait fait le même système, mais plus petit, ça aurait déjà arrangé pas mal de monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui... Bah, effectivement, l'ont mis avec le socle refermé. Et là, évidemment, bon, c'est pas mal. Hein, vous évitez le petit souci. Bon, moi, je vous dis, ça ne me gêne pas plus que ça. On ne voit pas les pieds devant, tout ça. Mais bon, toujours est-il que, vous voyez, ça prouve que ça n'a pas été... Enfin, pas été, j'exagère. Je ne vais pas dire que ça n'a pas été pensé. Mais bon, c'est bien que ça existe. Mais vous voyez, ce n'est pas top top. Vous voyez, on n'est pas encore sur quelque chose de nickel. Puis alors après, pour la faire tenir, je vous assure, moi, j'ai enlevé le picot parce que même avec le picot, j'avais du mal. Donc voilà, donc ça me gênait plus qu'autre chose. Bon, c'est un petit détail, mais effectivement, bon, moi, ça m'a un peu dérangé. Je pense qu'il faut le signaler et ça sera pareil. Je le montrerai pour la Batman Armored où effectivement, bah, vous verrez, vous aurez le même petit souci. Sinon, bah, en dehors de ça, moi, je vous dis, c'est du tout bon quand même. Ils ont quand même bien réussi la franchise, sincèrement. Ça fait partie des pièces vraiment très réussies. Je le répète, ce côté bleuté sur le... C'est dommage que je puisse pas le faire en plein jour, vous l'auriez vu, ce petit côté bleuté, parce que là, on a l'impression qu'elle est complètement grise et il y a un reflet bleuté. Vraiment, le choix du tissu, j'allais dire, enfin, de la matière qui a été utilisée est vraiment plutôt pas mal. Sinon, en dehors de ça, bah, je vous dis, je le répète, il n'y a pas de grosses choses qui m'ont déçu. Alors, si une petite chose aussi technique, il faut savoir, pardon, que là, c'est la version classique. La version exclusive, il existe une version exclusive où il y a une... Vous avez en plus la cool tech, c'est-à-dire que... Ou tech cool, je ne sais plus comment ils appellent ça. Vous savez, l'espèce de masque que Alfred, que l'on voit 8 secondes hein, dans le film, que l'on voit en train de réparer au début du film. Bon, voilà. Bon, c'est un petit truc sympa. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que j'avais pas d'intérêt. Et puis, c'est un accessoire. Déjà, je vous ai expliqué ce que je pense des accessoires. Mais en plus de ça, ça n'a pas d'utilité propre sur la pièce. Donc, voilà. Bah, écoutez, voilà ce que je pouvais dire pour la présentation.
je vais passer directement au point positif. Alors les points positifs, à vrai dire, tout est là, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de points positifs. La texture, je l'ai dit, de la combinaison, les proportions, la ressemblance, bien sûr, à ce que l'on voit dans le film, les oreilles courtes, enfin voilà, tout un Batman que moi j'adore déjà en BD, tout ça. Les couleurs utilisées qui font user, vraiment, non. Il y a vraiment que des bonnes choses, même les accessoires. Hein. Quand on regarde bien, je vais vous montrer ne serait-ce que le fameux gun là qu'il a, là, le grappling gun, vous savez, ou mi-bois, mi-métal. Alors évidemment, pour nous, là, c'est du plastique, mais vous voyez, regardez, c'est ça, il y a vraiment les détails, je sais pas si, voilà, vraiment les détails sont très très précis, c'est vraiment, de ce côté-là, c'est un vrai bonheur, hein, sincèrement, et tous les accessoires sont comme ça, hein, même les shurikens, je vais vous en montrer un, là, vous allez voir, le shuriken avec les fameuses petites marques, là, vous voyez, regardez, sincèrement, c'est de ce côté-là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses positives. Le socle, qui peut effectivement, qui sera aussi dans les points négatifs, mais ça sera pour vraiment emmerder le monde. En dehors, franchement, il y a rien de vraiment négatif. C'est des petits appoints, des petits appoints certes, mais il y a rien de très très catastrophique. Quand même. Non, franchement, la réalisation est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que bon. Il y a esthétiquement parlant, il y a ce problème de socle là qui peut en gêner certains, mais enfin bon, ça reste quand même du tout bon. Et franchement, encore une fois, là, Hot Toys ont montré vraiment qu'ils étaient capables de faire du très très bon boulot. Mais je l'avais dit, hein, de toute manière, je trouve que c'est une des franchises les plus réussies qu'Hot Toys ait fait cette année. Je le répéterai sûrement dans les autres pièces, parce que vraiment, bon, quelquefois ils ont bon se lancer dans les trucs vaillamment, ils arrivent à faire des conneries. Là, ça n'a pas été le cas. Je trouve que ça a été plutôt bien réussi. Voilà, écoutez, mais malheureusement, il y en a encore quand même un petit peu, je vais parler des points négatifs. Alors dans les points négatifs, je vais les sectionner ça en deux choses. La première, je vais parler de ma figurine à moi, hein, et après peut-être de manière un peu plus empirique. Peut-être que ça rejoindra les deux, j'en sais rien. La première, c'est la potence qui, malgré qu'elle soit très bien proportionnée, tout ça, pose quand même quelques problèmes au niveau des articulations, et notamment pour maintenir certains objets. Je vous l'ai dit, ça concerne ma figurine, mais je suis quasiment certain que ça concerne toutes les figurines. On ne peut pas tout faire avec. Le deuxième, c'est quand même le montage, notamment au niveau des yeux et des bouches. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le manipuler. Je l'ai dit, je déconseille de ne pas trop le faire. Après, ça ne pose peut-être aucun souci, mais franchement, quand il faut commencer à démonter, un peu comme pour le Dark Valor, tout un tas de trucs pour mettre deux piles ou quoi que ce soit, ça me sort par les yeux. Et puis, c'est des pièces qui sont quand même assez fragiles. Donc ça, c'est une autre chose. Il y a aussi le fameux problème du socle, qui est certes toujours esthétique, mais qui peut poser quelques problèmes pour la position du personnage. Et puis, il y a aussi, vous savez ce que je vous ai dit, voilà. Mais ça, alors ça, c'est toutes les figures, hein, toutes les figurines, toutes les pièces sorties, vous voyez ce muscle là que je trouve un petit peu protubérant, qui n'est pas super, c'est pas très beau esthétiquement. Puis vous avez aussi, allez, je pousse jusque là, le fameux problème de la cape qui est quand même un peu laissé aller, bon, qui pose pas trop de problèmes que ça, mais on voit qu'ils se sont pas foulés trop là-dessus. Et puis enfin, toujours pareil, mais là c'est un peu plus différent. Il y a le prix. Cette pièce là, c'est dans les 260€ aussi, je crois, qu'il faut payer peut-être plus maintenant parce que elle est quand même assez dure à trouver. Alors c'est acceptable quand on voit que le Superman a quasiment rien comme accessoire, vu tout ce que vous avez là, qui est vendu quasiment au même prix. Je parle quand vous achetez chez les fournisseurs, mais ça reste quand même encore très cher. Mais c'est, allez, entre guillemets, acceptable parce que la pièce, elle est badass. Il y a plein d'accessoires, tout ça, ça fait partie du prix aussi, hein. C'est pour ça que des fois je rage, parce que des fois on paye cher parce qu'il y a des accessoires et puis on peut pas les utiliser. Bon, c'est un peu le cas ici, mais enfin je pense que tout le monde se sera réjoui d'avoir au moins autant de choix. C'est déjà pas mal, donc c'est acceptable, mais enfin quand même une pièce quand même encore assez chère. Voilà pour les points négatifs. Je vais passer à la conclusion tout de suite.
Alors la conclusion, bah écoutez, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que j'ai été assez clair. On est sur des pièces, enfin sur une pièce qui est 95%, 98% réussie. Si je devais lui donner une note, ça serait du 8, 8, 9 sur 10, facile. Parce que c'est quand même, il y a quand même du beau boulot de fait. À part les petits problèmes là dont je vous ai parlé, mais qui sont, j'ai envie de dire, presque récurrents à toutes les Hot Toys. Hein. Faut pas oublier que c'est des petites poupées à la base en plastique, donc forcément vous êtes limité. C'est pas des vrais êtres humains, c'est pas non plus limité aussi par la technologie. C'est-à-dire que ce que l'on voit encore une fois au cinéma, bah, on ne peut pas toujours le représenter en vrai, enfin en réel, même en 1,6. Et puis c'est déjà quand même assez pointu. Moi je lui dis, vous voyez cette pièce-là, éventuellement je lui mettrais peut-être un grappin dans la main, tout ça, mais on peut. Alors attention, j'en reviens quand même aux articulations, elles sont quand même très bien faites. Hein. Là je ne vais pas manipuler parce que je n'aime pas trop le faire, je ne vais pas m'amuser à la décortiquer complètement, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez pousser un petit peu les articulations, il y a certaines pièces, on peut le faire. Sur celle-ci, ça reste limité ou du moins assez dangereux de le faire. Donc je préfère le signaler. Mais sinon, franchement, non, la pièce, elle est vraiment, vraiment chiadée. Le costume et tout. Moi j'avais peur, franchement. Alors une petite parenthèse que je n'avais pas dit, c'est vrai que quand on reçoit la pièce, là, vous voyez, bon, ça ressemble, c'est plutôt correct quand on la voit de profil. Mais quand je l'ai reçu, et je l'avais déjà vu sur pas mal de vidéos, on a l'impression que la tête est renfoncée dans les épaules, que le torse est re-rentré en creux. Du coup, on se dit, mais putain, on a l'impression qu'il est mal gaulé. Et en fin de compte, c'est que bon, bah, dans la pièce, il compacte bien le personnage dans la boîte. Et c'est vrai que quand on la sort, bah, il faut un peu lui donner un peu de mouvement, quoi, pour, vous voyez, faire ressortir les pecs, pour que ça ressemble vraiment à quelqu'un d'assez badass, quoi. Voilà. Mais sinon, non, 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 non. C'est une pièce vraiment très, très réussie. Je vous la conseille bien évidemment. Et je vous la conseille doublement parce que c'est une des pièces qui est assez demandée. Et là encore, je crois qu'elle est assez dure à trouver. Je ne dis pas qu'on peut plus la trouver, mais ça risque d'être assez compliqué. Voilà. Bah écoutez, mes amis, je sais, ça a été une review assez nature pointure, hein, comme je fais en ce moment, mais bon, j'ai pas trop le choix. J'espère quand même que j'ai été assez exhaustif. Je vais vous laisser. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de Noël et restez connectés parce qu'une troisième vidéo arrive toujours dans la franchise Batman versus Superman. Et donc, ça devrait arriver d'ici la fin de semaine. Voilà, très bonnes fêtes à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.